Mibel TV fume la drogue. Mmh, elle fume la drogue, mes chéris. Salut mes chouchous, salut mes amours, salut mes amis, mes copines, mes copains, mes camarades, mes frères, mes soeurs, mes mamans. Bienvenue sur la chaîne de la positivité, mes chouchous. Donc mes chouchous, aujourd'hui, j'étais là et puis je me suis dit, attends, pourquoi ne pas expliquer à ta famille, à la team Mibel TV, ce qui t'est arrivé, ok mes chouchous? Donc aujourd'hui, je vais venir vous partager avec vous ce qui m'est arrivé. Un truc horrible, horrible, mes chéris. Donc ce jour, c'est ce jour où la police américaine s'est levée et a dit, Mibel TV fume la drogue. Mmh, elle fume la drogue, mes chéris. Ouf! Elle fume la drogue. Quand vous me regardez, je fume la drogue. Je fume la drogue, mes chouchous. Voilà. Donc, mes chouchous, comment ça s'est passé? J'étais allée faire les courses, j'étais partie faire les courses et je suis arrivée dans un magasin africain, ok? Je suis arrivée dans un magasin africain et j'ai fait un peu des courses, j'ai pris un peu d'achéqué. Voilà, j'ai fait mes courses de la maison, si vous voyez. Donc, je suis tombée sur du kaolet. Le kaolet, vous voyez, mes chéris. Entends-moi depuis le pays, bon. C'est vrai, mes chéris. Je sais que c'est pas bon de manger du kaolet, hein. Mais attendez, on parlait de l'histoire. Et puis après, on va discuter de est-ce que c'est bon, si c'est pas bon, bon après. Donc, je suis tombée sur du kaolet. En ce moment-là, je me sentais au pays. Je sentais l'odeur. Je sentais l'odeur. Vous voyez, quand il pleut, là, l'odeur du kaolet, là, je sentais ça en même temps. Je vois, j'ai écrit Kalaba, Kalaba. Je sais pas c'était quoi. Je me suis rappelé que le jour où j'ai fait la vidéo par rapport au kaolet qui resserre le vagin. Il y a mes chouchous, mes soeurs camerounaises qui sont venues me dire « Mimi, on appelle ça le kalaba chez nous. » Et j'ai dit « Wouh, je sais que c'est ça, c'est ça, ça c'est le kaolet, c'est le kaolet, c'est le kaolet. » J'ai pris mon kaolet, j'ai payé mon kaolet et ça coûte très cher aux États-Unis, mes chéris. Mais bon, tu dis « Ok, c'est une fois passant, c'est une fois passant. Hein? » Donc, j'ai pris mon kaolet. Pendant que je conduisais, je me suis mise bien. Je prends les ka, les ko, les ka, les ko, les bo, bo, bo. Et moi, il s'endrait rire. Je suis au feu, j'entends la sirène. Je dis, j'ai fait quoi? Pour moi, j'avais conduit à la vitesse, genre j'avais dépassé la vitesse. Ou bien, peut-être il y a un problème sur ma voiture. Ou bien, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas. Mais vraiment, je ne pensais même pas à un truc comme ça. La police m'arrête, ils commencent à mettre les torches dans ma voiture parce qu'il faisait un peu, il commençait à faire un peu noir et tout. Ils me disent de descendre et ils me disent de mettre mes bras en l'air, à me fouiller dans ma poche, ouvrir ma voiture, ouvrir mon sac, verser mon sac. Je dis, monsieur, j'ai fait quoi? Je dis, monsieur, j'ai fait quoi? Ils me disent de me taire. Ils sont en train de faire une investigation. Je dis, ok, mon cœur battait comme ça. Je lui ai dit, ok, mais est-ce que je peux appeler mon mari? Voilà, pour voir ce qui se passe. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe et tout et tout et tout. Il était presque l'heure de partir chercher ma fille à la crèche, vous voyez. Donc, en ce moment-là aussi, ça tombait où mon mari aussi commençait à appeler. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il ne veut pas que je prenne. J'ai dit, mais moi, j'ai fait quoi? Vous voulez pas que j'appelle mon mari? S'il y a quelque chose comme ça, qui je vais appeler? Qui je vais appeler? C'est ma famille ici. Attends, je vais l'appeler. Ils me disent, non, 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 attends ici, là, les policiers, là. Faut faire doucement, oh, maman. Faites doucement. Sinon, j'ai rien dit. Je suis là, ils ont fouillé, fouillé, fouillé. Ils arrivent vers ma petite pochette où j'ai l'habitude de laisser mes pièces là. C'est là où mon kaolet était. Je vois le monsieur sort avec mon kaolet. En train de mettre des trucs dedans. Voir la dose. Sentir. Ouvrir. Remuer. Prendre torche. Faire comme ça. Ah ah. Mon mère dit ah ah. Mon kaolet a quoi à voir avec? Le monsieur rentre dans sa voiture là-bas. Il vient me demander mon numéro de social. Entends ici là. C'est pas le numéro de social, on te reconnaît. Je dis, mais j'ai fait quoi? Le monsieur a donné ma... Non, mais il a crié, là. Il a donné mon numéro de social en même temps. Il est rentré, blablabla, ils ont commencé à voir. Donc, ils ont investigué, ils ont vu que le kaolet, là, c'était rien, tu vois. En ce moment-là, le monsieur, là, me dit que il me soupçonne de prendre la drogue. Hey, maman! Je dis, quelle drogue? Qui vous a dit de prendre la drogue? Où? À quel moment? Attendez, je vais mettre un peu mon rouge à lèvres. Maintenant, on va continuer. Donc, moi, j'ai dit au gars, il a dit, attends,
quelle histoire de drogue et tout, le monsieur me dit que ça là, il soupçonne que c'est de la drogue, mais ils n'arrivent pas à voir quel genre de drogue c'est. Que moi, je dois leur expliquer, je dois les suivre au poste. Hey! Il dit, monsieur, mais je ne peux pas partir au poste, comme ça, ce n'est pas de la drogue. On appelle ça le kaolin. Le kaolin, oh maman, le calabas kaolin, que c'est doux. Il dit, on mange ça chez nous en Afrique. On mange. C'est vrai que ce n'est pas de la nourriture, mais on prend pour se soigner, pour faire beaucoup de médicaments et tout. C'est pas de la drogue. Moi, je ne prends pas de drogue. En ce moment-là, il me demande, ok, je suis d'accord de passer un drug test. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis prête à 100%. Parce que quand je dis non, là, il te soupçonne un peu et tout et tout. Et tout. Pourquoi je vais dire non? Si je ne prends pas la drogue, pourquoi je vais dire non? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur est rentré là-bas, son ami, il va parler. Ils ont, en fait, non, ils ne voyaient même pas même odeur de drogue. Leur truc, ils mettaient dedans pour voir la dose, pour voir quoi. Ils n'ont rien vu dedans, ils n'ont même pas vu quelque chose. Donc, le monsieur me dit, ok, si j'ai un parent ici, il veut que j'appelle mon parent parce qu'on va partir au poste, à la police là-bas, pour qu'il puisse voir ce que c'est. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, je peux prendre mon téléphone. Donc, il m'a dit, d'aller prendre mon téléphone. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, ah, voilà, ça. Moi, j'allais payer mon caolet pour me mettre bien. La police, là, ils viennent m'arrêter. Ils disent que c'est mon caolet, là, c'est la drogue. Donc, il veut me prendre pour aller à la police. Pardon, il faut venir parce qu'il veut que je monte dans leur voiture. Il ne veut pas que moi, je prenne ma voiture et puis ils vont me suivre. Peut-être qu'ils peuvent fuir. Il n'y a pas de problème. Donc, mon mari me suit. On va. Ils sont arrivés dans leur premier poste de police là. Ils ne voulaient pas arriver dans le grand en fait, puisqu'ils n'ont aucune preuve. Rien ne prouve que je prends la drogue, tu vois. Donc, on est arrivé là-bas. Les autres sont en train de voir. Ils ne voient rien. Non, maintenant, mon mari vient. Mon mari commence à genre taquiner. Il a dit que ce n'est pas la drogue. Vous voyez? Et en ce moment-là, ils ont commencé à vouloir maintenant savoir, être un peu curieux, pour voir on vient d'où. On a dit on vient de l'Afrique de l'Ouest. Et que ça, chez nous, on peut vous faire des médicaments. Les médicaments traditionnels, chez nous, on utilise ça. Et on mange. Quand on mange, c'est doux. C'est vrai que ce n'est pas bon pour manger, mais la plupart des femmes mangent. Les femmes enceintes mangent. Et que c'est très, très bon. Moi, j'adore mon truc. J'ai pris mon truc. Elle me dit que c'est un truc. Moi, j'ai pris. On est parti sur Google, on a Google le nom et ils ont vu que c'était à peu près pareil et tout et tout et tout et tout. Ça, ils ont commencé à taquiner nous maintenant. Moi, j'ai dit, monsieur, j'espère que mon nom que tu as, ma sociale que tu as pris pour taper là-bas, j'aurai pas de problème. Parce qu'aux États-Unis, ici, là, à faire de checker ta sociale, à faire de quoi. Après, c'est pour t'envoyer un message demain pour te dire que non, que tu as été arrêté pour drogue. Mais de bonne sur moi, je ne prends pas de drogue. Et pour mon caolet, je mange. En ce moment-là, ils nous ont libérés, Et puis, j'ai pris mon caolet. Quand mon caolet est croqué, content, moi. Et puis, le monsieur me dit, qu'apparemment, tu aimes ça. J'ai dit, j'adore, monsieur. J'adore. Que c'est pas la drogue. Et puis, c'est dans ça que mon mari est parti. Ce jour-là, il est ri que je suis arrivé à la maison. Ici, là, il riait son mari. Hein? Non, ici, là. Les petits trucs qui font un peu, les petits trucs qui sont cachés dans les sachets, qui font comme les, je sais pas, mais les petits trucs un peu suspects là. Dès qu'ils voient ça là, ils te prennent en même temps pour un drogué. Je me suis rappelé maintenant que peut-être qu'ils m'ont vu par les rétroviseurs ou bien quelqu'un passait à côté et puis il a signalé. Parce qu'il y a tellement de choses, je sais pas, parce que je vous dis que quand j'ai pris le carrelage, je me mettais tellement bien que je ne regardais pas à gauche, à droite, je regardais devant. Partie à la maison, j'étais au ciel. Ça faisait près de 4 ans que je n'avais pas encore eu de caolet. Donc quand j'ai eu ça comme ça, je me mettais tellement bien que je ne sais même pas à quel moment ils m'ont vu. Donc c'est ça, oh, mes chéris, c'est pour vous expliquer. On a failli arrêter votre mini belle à cause de son petit caolet. Elle mangeait, elle me mettait bien. J'étais en train d'enjoy mon caolet. On vit, on m'arrête, on dit non, mon caolet là c'est la drogue. Maman, c'est la drogue. Elles vont arrêter tout le monde chez nous en Afrique là-bas. Les femmes enceintes là, on va les arrêter jusqu'à. Les enfants vont accoucher en prison là-bas. Voilà mes chouchous, c'était ma petite histoire. Je voulais partager ça avec vous. Ça me faisait tellement rire que j'attendais un bon moment pour pouvoir vous expliquer, pour qu'on puisse marier ensemble. Donc dites-moi en bas si vous avez déjà eu cette expérience. Si quand vous mangez le caolet, les gens vous regardent un peu d'une manière, quand vous êtes à l'étranger. Parce que vraiment, c'est un truc, c'est pas comme du bonbon. C'est un peu comme tu es en train de prendre une portion, je sais pas, mais c'est bizarre, c'est vraiment suspect. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été un peu chelou dans la rue quand on est en train de croquer le caolet. Aussi dites-moi si vous aimez l'odeur du caolet quand il pleut là. Dites-moi si vous aimez, mes chéris. Donc voilà. Et aussi, mes chéris, c'est pas bon de manger du caolet, c'est pas bon. En tout cas, moi, bon,
quand je vais dans le sens store là, je suis obligée. Donc souvent, je dis à mon mari de partir là-bas parce que la tentation là est trop, hein. La tentation est trop, hein. Voilà. Mais c'est pas bon. Je ne vous conseille pas ça, mes petites soeurs, mais tout le monde, mes chéris. Sinon, le kaolé fait aussi une autre chose que je vais laisser ça juste en haut. Cliquez et allez regarder la vidéo, ce que le kaolé fait qui est très très bon pour nous les femmes, ok mes chouchous. Donc voilà mes chouchous, c'était pour vous expliquer ma petite histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker la vidéo si vous aimez, pour que la famille Mibel ça grandisse. Je vous attends sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye.